Sidi Azakoubla, Majesté, quel insigne honneur et immense privilège pour votre humble et dévoué sujet de voir votre majesté bénir par sa présence aujourd'hui, le 1er novembre, cet événement historique du lancement des travaux de la tour emblématique que vous avez initiée pour la capitale du Maroc, cette ville lumière qu'est Rabat, patrimoine mondial de l'humanité. Majesté, depuis le 9 mars 2016, où votre auguste majesté a procédé à la pose de la première pierre de ce projet, nous avons dû prendre le temps nécessaire pour mener des études préliminaires, multidimensionnelles, géologiques, techniques, architecturales. Ce fut également l'occasion de renforcer le consortium des entreprises qui nous accompagneront en invitant un des leaders mondiaux de la construction de par le monde, la société belge Bessix, à se joindre aux côtés du leader chinois CRCCI et de l'entreprise marocaine TGCC. Cette tour, Majesté, constituera autant pour le Maroc que pour l'Afrique une première de par la hauteur à laquelle elle culminera, 250 mètres, de par les 55 étages qui la composeront, prévus d'accueillir des bureaux de prestige, des appartements de très haut standing et un hôtel somptueux, le tout couronné par un observatoire au sommet de la tour. Majesté, nous avons l'immense fierté, en même temps la grande responsabilité, de réaliser une tour qui doit s'intégrer dans l'aménagement que votre majesté avait impulsé pour la vallée du Bourgueil, afin d'accueillir plusieurs symboles du riche patrimoine culturel et civilisationnel du royaume. Le Grand Théâtre, la Maison des Arts et de la Culture, la Bibliothèque des Archives Nationales. La tour se hissera dans le ciel telle une fusée portée par sa rampe afin de s'insérer harmonieusement dans l'environnement plein de lumière où baigne Rabat. Car au-delà de l'ambition moderniste clamée par les médias nationaux et internationaux, cette icône architecturale se doit de préserver ses racines marocaines tout en drapant de l'internationalité et l'africanité que votre majesté a bâti sur des fondations solides. Ces mêmes fondations permettront à cette tour de porter haut la dynamique insufflée par la stratégie de développement que votre majesté a tracée pour notre royaume, en le positionnant légitimement comme porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique, et ainsi que comme terre hospitalière d'investissement. Majesté, nous sommes réellement comblé par la haute sollicitude et royale bienveillance que vous nous témoignez et par l'importance qui est accordée à ce projet. Nous formulons alors le souhait que votre majesté veuille bien accorder sa bénédiction royale à cette tour en la baptisant de son auguste nom. Conscient de la responsabilité dont vous nous avez honoré, nous prions le Très-Haut Majesté de demeurer toujours digne de votre souveraine confidence. Merci et confiance. Allah ybarak fi amr sidi.